Salut les amis, Mr. P. Alors aujourd'hui, je suis dans mon distributeur qui se trouve à la Banque Centrale. Il y a de cela quelques jours, la Banque Centrale a changé les nouvelles coupures de billets de 500, 1000 francs, 2000, 5000 et 10 000. Et bah, je peux voir l'impact sur mes ventes parce que, étant donné que bah, je suis à la Banque Centrale, et en général, ils utilisent des coupures récentes. Mes ventes ont considérablement baissé parce que mon distributeur n'est pas encore à jour. En fait, mon monnayeur, mon lecteur de billets n'est pas encore codé avec les nouvelles coupures. Donc, j'ai intérêt à rapidement coder. Mettre à jour mon lecteur de billets. Je vous explique concrètement. En fait, là, vous voyez, j'ai les anciennes coupures, c'est ça, les 500, les anciennes. Voici les 500, voici les nouvelles coupures, les anciennes coupures de 1000 francs. Voici ce qui est dans la machine. Hein. Donc, les ventes ont vraiment baissé parce qu'ici, on est sur des consommations d'approximativement 500 par mois. Et voici les nouvelles coupures. Que je suis allé, que j'ai récupéré là actuellement. Ça va me permettre de faire, de générer mon nouveau dataset. Ça, c'est le nouveau 500. Vous voyez la différence par rapport à l'ancien. On va tester sur ma machine pour vous comprendre. Je prends les deux 500. Je vais prendre aussi un 1000 francs. Voilà, les nouveaux 1000 francs, c'est ça. Et les anciens 1000 francs. Voilà. Il y a une grosse différence. Donc ma machine ne peut pas lire mon lecteur de billets actuellement, ne lit pas les nouvelles coupures. Du coup, je peins en vente et me lis les anciennes. On va tester sur le distributeur pour comprendre un peu de quoi je parle. Regardez par exemple. Sur mon distributeur, si je mets le nouveau billet de. Là, c'est le nouveau billet de 500. Si je le mets de 1000 francs, si je le mets, il va pas pouvoir le lire. Ouais, il ne le lit pas, il ne le connaît pas, c'est pas ça. Il ne peut pas le lire. Il ne le connaît pas. Si je mets le nouveau 500, ici, vous verrez, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas parce qu'il n'est pas encore programmé pour lire ce type de billet. Mais si je mets l'ancien, 500, ça va. Il est crédité les 500. Ouais. Alors, ce qu'on va faire pour pouvoir programmer les nouvelles coupures de 500 et de 1000 francs, bon, je pourrais faire toutes les coupures, mais j'ai décidé de faire uniquement ce qu'on utilise. Ce que j'utilise le plus, les 500 et 1000 francs. Et pour pouvoir faire cette configuration, j'ai besoin de pas mal de billets. Environ 30 billets de chaque coupure. Donc imaginez-vous que je prenais les 1000 francs, les 10 000, les 5 000, ça me ferait énormément de budget. D'autant plus que ce travail, je vais le faire en Angleterre. C'est là-bas que se trouve l'équipe RD de codage de billets, bon, de monnaie rendeur ou de lecteur de billets. C'est là-bas que l'équipe RD se fait. Donc ça, je vais monter là-bas. On va s'occuper de produire les nouveaux datasets qui seront mis en ligne. Pour ceux qui savent où on retrouve les datasets des lecteurs de billets de cette marque, les NV9. Si vous connaissez le fabricant des NV9, vous saurez comment on retrouve les datasets. Donc d'ici, je pense, pratiquement dans maximum un mois, le temps que j'arrive en Angleterre, on va travailler et on va le mettre en ligne et du coup je pourrais mettre à jour, je vais récupérer le nouveau code, en tout cas je vais rajouter le nouveau code à mon lecteur du billet via la mise à jour, via un outil de mise à jour. Pour ceux qui s'y connaissent, ils savent de quoi il s'agit et ma machine pourra lire les nouvelles pièces, les nouveaux billets et les anciens billets. Donc voilà.
sachez qu'on peut aussi, coder des biais qui n'existent pas. Ça, c'est possible, non? Et pour cela, on a besoin des exemples. Hein. Environ 50 biais de chaque coupure pour pouvoir le faire. Voilà, à très vite.